ouverture, inclusion, plaisir. Bah c'était complètement génial quoi, c'était génial. C'est une bonne sensation. Bah c'est franchement c'est super sympa, c'est convivial et je crois que ça va nous faire du bien à tous. Je pense que c'est un projet fédérateur et on a besoin de se connaître dans les établissements de la Fondation. C'est un projet qui est au cœur des valeurs de la Fondation, le sport, l'équipe, la solidarité. C'est extrêmement important pour les adolescents hospitalisés d'avoir accès à un événement de cette importance, d'avoir accès à des sportifs de haut niveau. Et ça vient un petit peu rompre la monotonie des soins et les difficultés qu'ils peuvent trouver dans leur quotidien. Pour moi, c'est ce que je veux leur ventiler et aussi à travers cette journée, c'est que le sport, c'est le style de vie. C'est le style de vie et qu'effectivement, à travers le sport, il y a non seulement les bénéfices physiques, psychologiques, mais il y a aussi l'insertion sociale et on peut trouver sa place, même après avoir été malade ou accidenté. On a vu des démonstrations et on voit la qualité et l'intensité de ces sports. C'est assez impressionnant et puis le faire soi-même, on voit tout l'écart qu'il y a entre ce qu'on peut faire et quand on voit les champions faire à côté, on comprend le travail qu'il y a derrière. Ces sportifs performants, ils sont passés par les centres de rééducation. Donc ils ont ce vécu et ils peuvent témoigner et ils sont les témoins de ce parcours qui en fait commence dans les centres de rééducation et qui peut se finir, parce que tout le monde ne va pas être champion, qui peut se finir par un palmarès olympique. C'était fantastique. La vitesse à laquelle ils jouent, c'est impressionnant. On est tous sur les fesses. Ça donne une grande claque psychologique de voir qu'ils se battent avec rage et force, tout en respect. Et on se rend compte que le sport, ça réunit tout le monde, peu importe les circonstances. On a des enseignants qui sont là toute la journée, qui encadrent les jeunes avec des soignants, dans des équipes qui sont mixtes, auprès des patients élèves. Donc ce mixage soins-études est vraiment très important. Évidemment, le sport est là, mais la Fondation n'est pas une fondation sportive. La Fondation est une fondation qui prend en charge des patients, mais pas en tant que patients, on les prend en charge dans nos établissements en les considérant comme des aides sociaux, comme tout le monde. En fait, l'idée de base, elle est extrêmement simple. C'est de se dire que les jeunes, lorsqu'ils ont une fracture de la vie, qu'elle soit psychiatrique, qu'elle soit somatique, un accident, quelque chose, dès que le jeune va rentrer donc à la clinique, on va l'asseoir à une table, avec des camarades autour, un professeur en face et un professeur éducation nationale. Voilà. Et donc automatiquement, on voit tout de suite le levier thérapeutique que ça peut amener. Fatou, tu as lancé un challenge. L'endroit où tu peux gagner plus de temps, c'est dans la ligne droite en balle. C'est du soin, mine de rien, pendant cette journée-là. C'est l'occasion pour les professionnels d'observer le relationnel, de regarder les performances sportives, puis à travers ça, justement, de faire un petit peu de la rééducation autrement. On travaille sur, de manière globale avec le jeune, avec les médecins, bien sûr, et puis nous, les autres, on va dire que les médecins. Culture, sport, bien sûr scolarité, mais vous voyez, tout ça, ça a du sens. Et tout ça participe au même mouvement, c'est-à-dire de faire en sorte que le jeune retrouve une estime de soi, que le jeune puisse se reprojeter vers un avenir, qu'il puisse se reconstruire, et notre mission, elle est là. Quoi. La normalité, c'est aussi être élève. Les équipes se rencontrent, elles se connaissent peu, c'était ça l'objet aussi, elles se rencontrent, elles partagent, les jeunes se rencontrent, les soignants se rencontrent, les équipes d'enseignants se rencontrent. Moi je vais vous faire une confidence, chaque fois que je visite une des 12 cliniques de la Fondation, puis ça me fait le même effet. Je quitte la visite avec un regard sur le genre humain plus optimiste à la fin qu'au début. Et là, aujourd'hui, en plus, je suis particulièrement gâté parce que non seulement je retrouve, je dirais, les valeurs de la Fondation, je retrouve rassemblés des représentants de toutes les cliniques et sur un projet extraordinaire, rassembler les valeurs du sport et les valeurs de la Fondation, c'est tout à fait pour moi un vrai moment de bonheur.